Hello, désolée, ça a été long. J'étais en train d'essayer de me connecter à mon compte Twitter, puis c'était compliqué. Allô Raoul, comment ça va? Bon, fait que c'est ça. C'est un spécial Halloween avec Zelda. On va essayer de le finir. Je promets rien parce que le dernier donjon a l'air horrible. Là, je vais juste. Puis en plus, je me suis rendu compte hier que j'ai perdu mon gros shield. Je pense que c'est les espèces de sangsues là, qui m'ont aspiré deux, trois fois, là. Ils m'ont volé mon shield. J'étais comme en tabarnak. Fait qu'il va falloir que je m'achète ça aussi. Je pense que ça serait mieux pour le dernier donjon. Un jeu d'horreur enfant, ouais, c'est ça. Moi, ça va bien. Bon, fait que là, on va commencer par aller jouer. Ah, faut que je connecte ma manette ici. J'ai oublié de connecter ma manette. Les vilaines sangsues, ben ça ressemble. Il y en avait dans Ocarina of Time. Je sais pas si tu replaces qu'est-ce que je veux dire, Raoul, là, les espèces de. C'est comme des grosses sangsues vraiment énormes, puis ils t'avalaient pour te recracher, là. Puis je pense qu'ils te volaient. Ils pouvaient pas te voler ton bouclier ou des objets aussi, justement, dans Ocarina of Time. C'est comme le même concept, là. C'est ça qui est drôle, pareil. Je joue à ce vieux jeu-là sur la NES, puis je reconnais, genre, des bébites qui ont comme gardé avec le temps, là. Bouclier Outinique, ouais, c'est ça, il te vole des trucs. Je sais qu'il pouvait te voler de l'argent aussi, bref. Mais je trouve ça quand même cool de voir un peu l'origine de certains monstres, que je suis comme, ah, ça, ils l'ont gardé, ça, j'ai aucune crise de c'est quoi. Genre, c'est trop. Bon. Ma manette, va-tu marcher? Ouais. Je vais repartir le jeu. J'ai plugué la manette après. Ok. Quick load. Pourquoi ma manette veut pas fonctionner? Ah, oh, pour vrai, là. Je comprends pas. Faut que j'aille refaire mon mapping? Je vais aller checker. Input. Ben oui. Ah, mon mapping a tout disparu. Je sais pas pourquoi. Bon, ben on va le setter. Ce sera pas long. Hike down, select, start. B, A, B, A. Puis ça, je mets ça. J'espère que je me suis pas trompée avec les épées. Ok, c'est bon. Ah, fuck! Fuck! C'est votre camp. Ok. Oh! Clavier souris, je sais pas. Hey, ah, clavier souris. Ouais, non, je sais pas pourquoi mon mapping de manette était disparu, mais c'est des choses des fois que je me pose pas trop de questions du pourquoi, du comment, là. Un peu comme quand ton micro cesse de fonctionner sur Discord pour une raison obscure. Bon, fait que là, j'ai le maximum de rupies que je peux avoir qui est 255. Fait que là, faudrait que je retourne. C'était pas le dernier temple, c'était pas le temple 8. C'était le temple 6 et le temple 7 qui avaient des upgrades de bombes. Je vais retourner au temple 7. Ma flûte va-tu fonctionner ici? On va le tester. Je pense que ça me fait me promener d'un donjon à l'autre, ça. Là, les entrées des donjons sont toutes identiques, là. C'est pas le même, ça? Je pense que c'est le même, hein? Oh oui, c'est le même. Pourquoi il m'a amené à la même place? Non, c'est bizarre, ça. Ça n'a pas rapport. Allô, Grumpy ou un snack? Comment ça va, Grumpy? Il reste deux choix de snack. Je vais aller enlever lui que j'ai oublié d'enlever hier. Il reste le Halloween Jelly Bean Gummies ou le Halloween Mini Aichu. Fait que tu me diras quel qui t'intéresse entre les deux. Je te laisse décider ça. J'espère que ça va bien. Avec ton émulateur GameCube et PS2, t'as trouvé le moyen de mettre les jeux en 2K. C'est quoi ça du 2K? Je connais le 4K, mais c'est quoi du 2K? Les gummies? Ah, attends un peu, il n'y a pas de gummies. J'ai dit. Ah oui, Jelly Bean Gummies, oui, excuse. Je ne sais pas pourquoi le gummies était disparu dans mon esprit. Bon, mais je vais aller chercher les Jelly Bean Gummies. Ah, je vais aller chercher ça, je reviens, ce sera pas long. Ça me prend genre full de dégâts, ça. What the fuck, Sumo? Ça lui a envie de bugger l'image.
Ah, j'ai un stock de l'autre côté, good. Je vais foncer dans tout, là. Mais là, je passe par où pour sortir d'ici? Là-dessus? Comment je fais pour m'en aller de la place? T'arrives en fait à Angel sur un snack. Comment ça va, Angel? 2K c'est avant 4K. Oh, mais pour vrai, 2K ça a déjà existé pour vrai. Moi je suis tellement pas technologique dans ces patentes-là. T'as-tu pogné un clip de Polly? Hey, salut Stupid, comment ça va? Un snack gratis. Fait que c'est Grumpy qui a payé le snack. Il a pris les jelly beans. Comme je disais, j'ai perdu. En fait, j'ai probablement jeté involontairement mon livret d'octobre. Donc, je n'ai pas la description du snack, mais c'est des jelly beans. Je pense qu'on sait tous c'est quoi des jelly beans. Il y a l'air d'avoir 3 saveurs. Je vais essayer de comprendre c'est quoi les saveurs en les goûtant. Mais c'est cute, là. C'est un petit emballage d'Halloween. Je pense que c'est la première fois que j'ai des jelly beans dans une boîte de snack japonais. Je dois dire que c'est pas de quoi je me rappelle pas en avoir eu avant. Des jelly beans, je trouve ça correct, mais pas trop. Parce que ça a tendance à me lever le cœur, ça. Surtout, genre, quand ils ont des saveurs bizarres. Tu l'as pas sur un site online? Non. Non, pas celui-là. Pas le pamphlet au complet, genre. Sur Sakurako, il l'a, mais pas Tokyo Treat. Puis là, ça, c'est un emballage à l'épreuve des enfants, clairement. Oh non! Je vais-tu devoir aller chercher des ciseaux? L'autre bord, peut-être? Attends, puis comme ça. Voilà. Non, je suis sûre qu'il n'y a pas de saveur plum. Hey, allô, mécano, comment ça va? Ouh, ça sent bon. En tout cas, c'est bon. C'est déjà pas pire, ça sent bon. Il y a l'air d'avoir 3 sortes. De ce que je vois, il y en a des rouges, des mauves, puis des jaunes. Je vais essayer les 3. Je vais essayer de savoir c'est quoi la saveur, là. Malgré que c'est marqué en japonais. Je vais sortir mon japonais puis je vais aller lire. Cola pour Coke. OK, Coke, du Coca-Cola. J'étais comme Cola, c'est quoi ça? Mais ça, ça doit être à saveur de Coca-Cola. Lui, c'est Guru. C'est quoi ce petit katakana-là? Je m'en rappelle jamais. Guru, je sais pas quoi. Ah, c'est-tu au gingembre, ça? Je sais pas. Ah, ma grecque, non, c'est marqué sur... Ah non, ça doit être à root beer, calice. Ça va être dégueulasse. Comment ça s'appelle, la root beer? Là, il y a un autre truc, je pense c'est ginger, quelque chose, là, ouais. Parce que c'est tout des trucs à saveur de soda. Le mauve, je suis pas sûre, par exemple. Je vais commencer par le jaune, je suis sûre que je vais trouver dégueulasse. Fais attention avec des ciseaux, petite fille. J'ai pas été chercher de ciseaux, finalement. Tu t'as acheté des jelly beans dans ton épicerie de demain, s'il en reste, et qu'il me le donne. OK, t'en as acheté en ligne, là, dans ta commande. Moi, ça va bien. C'est quoi? C'est quoi? C'est des jelly beans. Arc. On va essayer, lui. C'est peut-être super bon. Oh! T'as peu, là. Ça goûte pas la root beer, certain, ça. C'est ben trop bon pour être la root beer. Ça goûte le citron. Finalement, c'est très bon. Le jaune est excellent. Ça goûte genre... ça goûte le Mountain Dew, esti. Ça goûte le citron à côté. C'est vraiment bon. Mon japonais, c'est des katakana. Ça me tentait pas de sortir la grille. Pour vrai, je suis lente. OK, les jaunes sont excellents. On va essayer le mauve, parce que le brun, je suis certaine que c'est cola. Fait que ça, je suis sûre de pas avoir de surprise. Avec le mauve à cette heure. Non, ça c'est dégueulasse. Tout raisin, je pense. Ouais, non. Je suis pas fan du mauve. Hein. Ça goûte... Ben, l'arrière-goût est correct.
C'est comme le début qui est un peu ouin. Mais l'arrière-goût, ça va. Il me sert-tu mon japonais pas dans la vie de tous les jours, Angel? Il peut peut-être me servir des fois dans des jeux ou dans des animés, là. Genre dans le sens que je peux genre être capable de lire un petit peu, là. Mais dans la vie de tous les jours, pas vraiment, là. Fait que le mauve est dégueulasse en partant, mais il finit bien. Puis on va essayer le dernier qui est au Coca-Cola. Ouais, ça c'est au Coke. C'est sûr et certain que c'est au Coca-Cola. C'est bon. Mais c'est pas mauvais pour vrai. Même les mauves, je me dis, ça goûte pas trop longtemps bizarre. Fait que c'est cool comme snack. Comme je dis, ça prend pas, j'ai des jelly beans. Donc ça fait différent. Ils sont sucrés as fuck. Puis ils ont vraiment l'espèce de petit goût pétillant de soda, là. Fait que c'est nice. Hein. Fait que merci, Grumpy, pour tes points. Si j'ai envie de réconfort ce soir en jouant à Zelda, je sais quoi manger. Bon, fait que c'était ça le snack. De la coke, ouais, c'est ça. Ah. On retourne sur Zelda. Fait que là, ça sera rien d'intéressant. Faut que j'aille chercher l'upgrade de bombe. Faut que j'aille chercher mon nouveau bouclier. Faut que j'aille chercher une potion. Faut que j'aille faire plein de trucs plates. Mais plein de trucs plates essentiels qui vont me permettre de survivre. Pour la montagne de la mort. Passer par là qu'il faut s'en aller. C'est la prochaine étape. Hey, mais ils peuvent-tu, genre, m'envoyer à quelque part qui est pas le donjon numéro 2, please? Ou je peux pas? Ah, c'est quel donjon celui-là? Ça, c'est-tu le 3? Est-ce qu'il les donne? Ok, c'est le 3. Fait qu'il nous les donne dans l'ordre. Puis là, faut que j'aille au donjon 6 et 7 pour les upgrades de bombes. Si ma mémoire d'hier est bonne. Fait que, ah, ça, c'est le donjon 4. Ah, je sais toujours en plus dans quelle pièce que c'était. Ça, c'est théoriquement le donjon 5. Fait que donjon 6. Hey, le pire, c'est que ce raccourci-là. Hey, what the fuck, ma tornade? Oh, tabarnak d'ennemi de cul. Je l'ai trouvé partout. Ah, voyons, on sait encore. Pourquoi ils m'ont ramené au donjon 3? Hein? Ah non, c'est. Attends, peux-je tout m'aider? Ils font pas dans l'ordre, certains, ça veut dire. Ça, c'est le 4. Ça, c'est le 4, je me rappelle. Pourquoi ils me ramènent ici? Ils me mettent pas au donjon plus récent? Normal de la merde. Bon. Va falloir que j'aille à pied, esti. C'est lequel, lui? Ah, c'est le 5. C'est le 6 puis le 7 qu'il me faut. Je te pisse, oui! Merci pour ton cheer. Salut Troupa, comment ça va? Jeu de pisse. Ah si, mais je comprends pas la logique de la tornade où il y en a pas, puis c'est complètement au hasard. Ah, attends, c'est lequel lui? Le 6, bon, ok, c'est un des deux que je cherchais. Il était où mon vieux monsieur qui voulait me vendre un sac de bombes? Je sais qu'il est quelque part là-dedans. Mais je me rappelle plus où. Fait qu'on va fouiller. Hey, I don't know. Au moins tout ce qui est mini-boss va être disparu. Ah non, c'est vrai, c'est le petit donjon des sorciers, ça. Non, ça, c'est lui qui me disait des secrets. Puis les yeux. Il y a un œil ici. Il m'a menti. Il y a un œil qui ressemble à une bouche. Bon, attends un peu, là, je vais me sortir de quoi pour me défendre. En termes d'ennemis, j'ai trouvé que c'était le pire donjon, celui-là. Les magiciens, là, m'ont vraiment fait chier. C'est le jour de la marmotte. Il y a deux jours en ligne que je débarque et que tu es dans les tornades infernales de Zelda. Yes, mais peut-être qu'on va le finir à soir, là. Je veux pas non plus, genre,
capoter ma vie en le finissant pas, là. Parce que là, il me reste le tout dernier donjon qui a vraiment l'air hyper difficile. Fait que je veux être prête. Je veux aller chercher les upgrades de bombes. Je veux racheter un gros bouclier parce que j'ai perdu le mien. Puis je veux acheter une double potion. Fait que je risque de devoir encore aller grinder des rupies, là. Mais on va commencer par les upgrades de bombes, là, qui étaient... faut que je tue des ennemis ici. Qui étaient... dans les avant-derniers donjons, là. Petite crise de chauve-souris. Là, c'est ça que ça fait, le fait que j'aille plus mon bouclier. Il me protège même plus des orbes. Le bouclier, par exemple, va falloir que j'aille checker sur Internet. Je me rappelle plus où j'avais acheté ça. Ça fait trop longtemps. C'est quand j'ai joué, il y a genre 2 semaines. Je stream beaucoup cette semaine, ben là, la semaine commence, Angel. Ah. Oh, tu veux-tu essayer des BD, Grumpy? Ah, peut-être qu'à l'Halloween, ils ont mis un jeu gratuit. Ça arrête-tu, genre, de se rebondir sur moi, cette marde-là? Heureusement, j'ai une potion, hein? D'ailleurs, fallait que je m'en rachète une, fait qu'on s'en fout. Je savais que ce donjon-là allait être la pisse à se promener dedans. Je me rappelle même plus où c'est le monsieur en plus. Oui, c'est Grumpy Cat. C'est grandu Grumpy Pouliche. Ça ici, je peux juste calisser mon camp. Ok. Ça, c'était l'espèce de dragon de marde qui était ici. Je me rappelle vraiment pas où c'est le vieux monsieur. Où c'est qu'il était? C'était-tu là? Ça, c'est juste l'enfer qui m'attend. Là? Non. Ah, il y a une clé, là. Ah, ouais, il y a une clé que j'avais pas ramassée. Mais je m'en fous, j'ai la clé magique. Les clés me servent plus à rien en ce moment. Pas ici non plus. Yes, samedi, normalement c'est Lord of the Ring. En tout cas, j'ai rien d'imprévu en ce moment. Ah, t'as changé ton nom à cause d'un défi? Tu vas-tu vouloir revenir à Grumpy Cat après? Ouais, c'est ça, c'est 90 jours. Hey, laissez-moi aller chercher. Je me rappelle que c'était dans le donjon 6. Là, en tout cas, me semble, l'upgrade de bombe. Mais là, je veux juste éviter de mourir dans d'atroces souffrances, si possible. c'est celui-là, je pense. Hein? Je pense que j'avais pas découvert la salle. Je pense que j'avais peut-être même pas découvert la salle. Si, c'est drôle. Je veux m'en aller! Ah, si, sont tes parents, hein? Je me fie à ça, c'est par là. Là, ça serait en haut ici. Pas en tout. J'ai pas regardé la bonne affaire. Bon, on va tuer les bébés. Là, j'ai pas le choix de les tuer. Hey! Soit dans le feu.
je suis vraiment dans le donjon 6? Oui, je suis dans le donjon 6. Un 2 litres de café bien noir. Je bois pas de café, moi. Dragon Quest 8, c'est de la merde. T'es rendu un boss avec deux phases, puis t'as pas réussi à le tuer, genre. Ça a pas l'air facile non plus comme jeu. Non, c'est même pas là qu'il y a le site upgrade de bombe, je pense. Je me suis-tu trompée de donjon, probablement. Ça m'étonne. Oh, je suis allée dans ce site donjon de piste-là pour rien. Hey, vous savez-tu quoi? On va reprendre notre sauvegarde. J'ai rien fait de nouveau de toute façon. Quick load. Et voilà. Pas être moins compliqué. Bon, de base, c'est quel? Attends un peu. Le level 7, il y avait un upgrade de bombe. Ça, je suis certaine. C'était l'avant-dernier. Oui, ok. Level 7, oui. Ça veut-tu dire que l'autre, c'était le level 5? Je l'ai vu hier, les deux. Ah, fait que c'est dans le level 5. Ok. Fait que c'est 5 ou 7. Le 6 n'a rien à voir là-dedans. Bon, ok, on recommence. T'as tout donné sur la première quoi? Ah, la première phase? Que quand tu vas retourner pour le battre, tu vas peut-être en... Ouais, ça serait nice. Ça, c'est... cochonnerie. Ça, c'est le level 3. Ça, c'est le level 4. Je vais vérifier, mais je pense que c'est le 4. Ouais. Qu'est-ce que je me dis? Je me dis, vu que ma mémoire est défaillante, on va valider. Ça, c'est le level 3 de marde. C'est vraiment random, hein? Il pourrait au moins nous téléporter en ordre de donjon. Pas en tout. Là, il me fait une boucle dans le 3 puis le 4 pour faire chier. Mais arrête! Je vais aller ailleurs! T'as pas compris, je? Amène-moi ailleurs! Ça, c'est... le 2. Le 3. Hey, est-ce que c'est calme? Ben oui, mettez genre des points de téléportation, genre qui sont aucunement... Oh, calice. Je suis quasiment mieux d'aller à pied rendu là. Ah, je l'ai fait une dernière fois, là. Mais là, c'est ridicule. Ah, ok, il veut rien savoir. Bon. Pas au 4, là, parce qu'il est fucking loin de tout, celui-là, là. Ça, c'est lui, j'étais tantôt. Puis, c'est-tu le 6, ça? Oh, c'est le 5. C'est le 5 que j'ai dit qu'il fallait, hein. Non, c'est le 6. Ah, je suis tout mêlée, aussi. C'est le 6. Non, c'est le 5. Ok. C'est parce que le chapitre était marqué 6. Je sais pas pourquoi. Bon, le 5, c'est bon. Ça, c'est un des... Ok, c'est un des donjons que je cherche. Parfait. Va finir par y arriver. Ok, fait que c'est lui qui est complètement en haut à droite. Parfait. Je devrais être capable de me rendre. Il était pas si dur que ça, celui-là. J'ai starté par lui hier, puis ça avait bien été, ma semble. Ah, c'est un cul-de-sac, ça. Ok, bon, je peux sortir d'ici. Ils ont-tu bloqué à la porte? Oui, hein. À droite ou à gauche, on s'en fout. À droite ou à gauche. À droite ou en haut. Faudrait
peut-être que je me sors de la lumière. Hein? C'est ce que je voyais. Je continue tout droit, puis je vais tomber là-dessus. Ah, non, pas complètement tout droit, clairement. Est-ce qu'il y avait une porte secrète? Ok, non. Ah, mon Dieu, ok. Faut que je fasse le tour. Ça pouvait pas être aussi simple. Ouais, faut que je passe par le truc, la porte secrète. Était où la porte secrète donc? Oh. Fuck. Ah, faut que je retourne en arrière. Le passage secret était en bas. Il était pas trop difficile comme donjon, mais je viens de me rendre compte qu'il y avait ça qui était bizarre. Ça, c'était lui de la flûte, ouais. J'avais dû retourner de bord pour aller chercher la flûte en plus, je m'en rappelle. Par en bas là, ça va être à gauche gauche. Ça, il y a quoi ici? Pas les momies, on s'en fout les momies. Oh, fuck, ceux-là faut que je les retue par exemple. Urk. De me coincer, c'est comme dans Pac-Man! Non! Calice. Ah! Vous devez avertir, monsieur, quand vous vous tournez. Ah! Comment il va chercher le cœur? Perdu un cœur pour aller chercher un cœur. Maudite efficacité. Passe dans le passage secret. Là, on va sortir en haut. Là, faut que j'aille en... Ok, en bas puis à droite. Fait que là, j'ai assez d'argent pour acheter mon upgrade de bombe. Plus de bombe! Fait que là, ça m'en donne 12. Ok. Je peux en avoir jusqu'à 16. Je sais pas à quel point il faut vraiment j'en ai 16. C'est vrai qu'il est horrifiant, ces Zelda, quand même. Hein? Moi, je trouve ça terrifiant à jouer, en tout cas. Salut, Evildoom, comment ça va? Je trouvais que ça fitait bien pour l'Halloween. J'ai vu que t'as fait une deuxième run de The Quarry. Ça a-tu été comme tu voulais ta deuxième run? On va ramasser des rupies maintenant que j'ai de la place. Fait que là, je peux sortir directement d'ici. Fait que là... J'étais au donjon 5. Et qu'on avait dit que c'était le donjon 7, l'autre qui avait l'upgrade de bombe. Ok. On va finir par y arriver.
en espérant qu'il m'amène un jour au donjon numéro 7. Moi, ça va bien. Le soundtrack est très cool avec une vibe horreur pour Zelda, ça. Dans les donjons, ouais, dans les donjons, oui. Ça, j'allais dire, en ce moment, pas tant, là. Ça, c'est la place où j'étais. On s'en calisse. Je me rappelle plus de quoi. Oh non, c'est vrai. Le donjon 7. Attends un peu. Donjon 7, l'entrée, elle ressemblait à quoi? C'était-tu une entrée secrète bizarre, là? Oui, c'est de l'entrée du pand. Fait que ça sert à rien de me téléporter, il m'amènera pas là avec la flûte. Là, je suis où ici? Ah, je sais où je suis. Je devrais pouvoir quitter cette place-là assez rapidement. Si les acides centaures se poussent. Ah, yes, moi j'étais au cimetière. On va repasser par le Lost Wood. Je finis quand même par le connaître, c'est le jeu, hein? Malgré moi. J'ai oublié qu'il y avait deux donjons, que les entrées étaient pas vraiment des entrées de donjons. C'est pour ça que la flûte m'amène pas à cette place-là. C'est ici! Attends-toi. Fait que là, dans ce donjon-là, le monsieur qui vend des bombes, il était en bas. Il est pas trop loin, lui. Ça devrait bien se naviguer. OK. Il était... Ah, il est vraiment pas loin. Puis c'est pas des ennemis trop de la merde ici. Ouais, c'était des monsieur boomerang. Le seul problème, c'était les acides balles de feu. Fait que ça... Et tout droit. Celui-là, on s'en fout. Et voilà! Fait que genre, le max de bombes que je peux avoir. Ça s'est réglé, finalement? Tu sais-tu... OK, tu sais pas pourquoi c'est revenu correct? Bon, maintenant, j'ai plus une crise de cerne. Mais j'ai 16 bombes. Fait que là, il faut que je rachète une potion. Puis il faut que j'aille racheter un bouclier. Fait qu'on va aller grinder de la moni au temple numéro 2 parce que c'est le meilleur temple pour aller grinder de la moni. Fait que je vais retourner là-bas. Là, la flûte devrait m'envoyer au temple numéro 2. Je veux pas le pendre. Ah, oh, il va pas me transporter? Est-ce qu'il peut me transporter n'importe où ici? Ça marche-tu? Ou faut vraiment que j'aille devant un donjon? Ok, ça marche ici. Good. Ça, c'est le temple numéro 5. Je veux le 2. Non. Ça, c'est un temple de pisse. Ah, tu me niaises? Il m'a vraiment amené ici. Il m'a pas amené ici tantôt. Oh. Ce jeu-là est troll. Là, t'as reçu ton mail. OK. Il y avait peut-être quoi qui était buggé aussi avec PayPal. C'est pas impossible. PayPal ou la carte ou... I don't know. Ah, oh, mais je veux pas être ici. Amène-moi au temple numéro 2. Attends, le temple numéro 2, il était où? Je suis quasiment mieux d'y aller à pied, hein? Ah, il était loin. Je vais réessayer, là. Je vais peut-être être chanceuse. Non, il m'amène tout le temps ici. On dirait qu'il veut pas m'amener aux autres donjons. Bon, je vais me diriger au temple numéro 3, qui est pas trop loin. Puis à partir de là, je devrais être capable d'atteindre le temple numéro 2, qui est à l'autre bout du monde. Et voilà.
Ton crâne la pie, c'est bon ça. Je comprends rien à cette flûte de merde là. Il m'amène vraiment. Tantôt là, j'ai voulu aller à ces donjons là, puis il voulait pas, puis là il me les envoie là quand je veux pas, genre. Ce jeu là me troll. Bon, je pense que c'est lui. Oui, c'est lui. Good. Astitude de pisse. Bon. Fait qu'on va aller tuer des serpents, des cobras. Hey, crachez-moi votre cash. Je suis venu tuer tous les membres de votre famille contre votre argent. Je savais que je devais refaire un peu de grind malheureusement, là, mais je préfère être prête. Clairement, le Death Mountain a l'air assez horrible. Ça, je trouve. Il y a des donjons, je trouve, qui se porteraient moins bien au grind, mais celui-là, c'est vraiment des pièces simples, avec quand même beaucoup d'ennemis, puis les cobras, ils donnent pas mal d'argent en loot. Hein. Puis tu vas en ligne droite en plus, même pas besoin de se casser la tête du trajet. Non? Fait que je trouve ça bien. Shield, par exemple, c'est où je peux acheter un shield? Ça, je me rappelle en plus, je pense que je l'avais acheté pas mal au début. C'était-tu dans des gatherings? Magical Shield, yes, ça va me dire où aller le rechercher, parfait. Je vais aller checker là-dessus. Top. J'irai voir tantôt. Il coûte combien le Magical Shield? C'est 90, ok. Fait qu'il me faut une potion à 68 rupies, plus le Magical Shield qui est à 90. Fait que là, présentement, j'ai déjà 90, fait qu'il me manque 68-ish. J'ai pas besoin de me rendre à 255, là. Qui est genre le maximum. Ah, Raoul, pour ton Plague Tale, je devrais y jouer vendredi. On va redonner une go au jeu. En espérant que tout fonctionne. Mais ouais, vendredi soir, ça va être ça. On va croiser les doigts que tout marche. Si ça marche pas, je switcherai de jeu, malheureusement. Là. Mais comme je disais, les derniers tests que j'avais fait, ça semblait fonctionner. Mais c'est sûr que je voulais pas jouer pendant 5 heures de temps. Là. Déjà que j'ai refait le même passage au moins 40 fois, là. Je le connais par cœur, le début. On va le recommencer du début, là. De toute façon, j'avais pas gardé la sauvegarde vu que j'avais. Je l'avais réessayé par-dessus souvent, là. Depuis, j'ai pas eu non plus d'autres bugs. C'est sûr que j'avais pas eu vraiment beaucoup de problèmes avec des jeux qui n'étaient pas PC, mais j'avais quand même eu une fois un crash de Streamlabs
à la fin de mon live pendant que après avoir joué. Je pense que c'était après avoir joué à Red Dead. Puis les dernières fois que j'ai streamé, j'ai pas eu rien du tout. J'ai pas eu de bug là. La meilleure tune du jeu, tu veux dire de Plague Tale, ça? Donnez-moi votre argent! Ces serpents-là sont complètement broken à cause de moi. Ouais, j'ai pas eu vraiment le temps d'apprécier la musique encore. Je m'étais pas rendu loin dans le jeu là, avant que ça se mette à planter. Mais genre même pas les 10 premières minutes. Je m'en fous de pogner du dégât avec eux. Hey. Ils font pas 40 de dégâts, ces cochonneries-là. Puis ils leur donnent des cœurs. T'as la banque à tout régler tes trucs. Bon, nice. Tant mieux. Pourquoi il me donne une montre rendue à la fin? C'est drôle ça. Ça, c'est de quoi j'ai pu, genre, dans les nouveaux donjons, des espèces de montres là, qui arrêtent le temps. Là. Ça a été plaisant de l'avoir de temps en temps dans certaines pièces. Allô les Istavar, c'est Zelda avec une épée, ouais. On s'en va sauver Link. On s'en va surtout ramasser de l'argent en ce moment. Zelda, là, si j'arrive à finir le jeu puis que je la vois, là, je la crise dans une cage pour que plus jamais j'aie besoin d'aller la sauver quelque part. Ce jeu-là m'a en fait trop fait chier. Moi, ça va bien. Toi, j'espère que ça va bien aussi. T'avais payé ta dette de crédit sur l'ancienne carte, donc t'avais un solde sur l'autre carte et t'avais repayé le même montant sur la bonne. Ils ont fermé ton autre carte et transféré le solde sur la nouvelle. Ah, ok. Ouais, ben, c'est normal, là. Normalement, c'est censé suivre s'ils enlèvent une carte, là. Sinon, ça n'aurait aucun sens. J'étais à 140, je t'en veux d'avoir l'argent que j'ai besoin pour aller continuer ma quête. Dans une cage, yes. Elle va m'avoir donné du trouble en crise, cette Zelda-là, pour vrai. Là. Je reviens de l'école, c'est l'heure de souper et retourner dans les devoirs. C'est-tu la... C'est ta semaine de relâche, es-tu passé? Je vais finir par parler correctement, là.
semble que c'est pas mal dans le temps de l'Halloween. Mais d'habitude, les profs, ils s'arrangent pour te crisser 56 000 travaux et ou devoirs, là. Ouais, c'est ça, c'est Ganon qui va devoir la libérer. Link va devenir méchant. J'en ai bientôt assez. On va faire une dernière petite run, puis en fait, il me reste juste 4 pièces à avoir. Je vais peut-être l'avoir en sortant. Ok, elle vient de finir. Ok. Et t'as recommencé cette semaine, d'accord. Pas trop dur le retour. Ouais. Ah, j'ai assez d'argent. Yes. Connaissant notre camp. Bon, parfait. Fait que là, on va aller. Le bouclier, attends un peu. Le bouclier est où? Ok, le bouclier est pas une place compliquée, puis il est proche en plus de ce que j'allais chercher mes potions. Parfait, ça. Là, le donjon numéro 2 est vraiment une place de marde. Fait qu'on va se téléporter en espérant s'approcher. Genre, le donjon numéro 4 ou. Oh, le 1 il est bien. Ouais. Je passe par là. Passez-vous! Cochonnerie. Là, je devrais avoir. Ah ah! Un bouclier. Fait que là, je vais essayer de pas me faire bouffer par des sangsues cette fois-ci. Mais je savais pas qu'il pouvait voler mon bouclier. Avoir su, j'aurais fait plus attention. T'as recommencé avec un cours sur le milieu archivistique en soirée, en début de semaine. C'est de l'en maudit. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça parle en ton cours, mais ça a pas l'air super capoté. Au! Mal les ennemis. J'ai de la misère à éviter les ennemis là-dedans. C'est terrible. Fait que là. Pressez votre camp. Là, j'ai déjà une potion. Est-ce que je peux, genre, quand même prendre l'upgrade? Oui, ça a marché. Fait que là, je suis prête. Je suis prête à aller souffrir. Bon, you, le site Death Mountain. Je suis allée checker comment je fais pour me diriger là. Oh. The entrance to death. Oh mon dieu, ça donne pas envie ça. Ok. From the start screen. Ok, faut que je retourne au start screen. Parfait. Qu'est-ce qu'une archive? Ok, c'est pour les, dans le fond, ceux qui s'occupent des archives. Le métier des archivistes est beaucoup de mise en pratique avec de l'analyse de documents et de descriptions à faire. Ok, je comprends. J'ai pas eu. Ouais, ça doit être quand même un peu lourd, là. C'est pas un cours super léger, là. C'est quand même assez technique, là. En bas, je pense qu'il faut que j'aille. Ok, bon, ça c'est le start screen. Ok. Bon. Une fois à droite, puis après 5 fois en haut. Let's go. On suit le chemin. Ouais, c'est ça, un gros cours de méthodologie. Fait que, ouais, c'est quand même technique beaucoup, là. 1, 2. Je pourrais m'aider un peu. 4. 5. Une fois à gauche, deux fois en haut. Ow.
estis de roches qui descendent. C'est tannant. Ok. Puis gauche deux fois. Ils font mal, ils font mal. Sauvons-nous. Ok, on va... Oh mon dieu. Puis là... Ok, faut que je fasse un trou. Too large rock, and if you place a bomb just below the rock on the left side, it will blow up the entrance. Ok. Ok. Attends, après j'ai besoin de mes bombes. Ah, malgré que... C'est un peu chaotique ici. On va se clairer à la place, là. Et voilà, merci. Oh. Hello, Watch! Non, putain, j'ai plus de balles. Il y a un sniper. C'est moi le meilleur sniper du gâteau. D'accord. On a fini, on commence notre campagne à chaque fois. Voilà. Allô, Morador! Hey, mon bot est brisé. Il a pas fait le SO. Attends un peu, je vais en faire un autre. Il va-tu fonctionner? Où es-tu, Wisebot? Ah, attends. Alors, là, ça a marché. Avant de se déplacer, on va entendre et on va essayer d'écouter la trappe. Je sais pas pourquoi. Ma droite. À ma droite. C'est Wesker. C'est Wesker, je pense que oui. Voilà. Comme ça, contre la trappe. À l'autre, elle a aussi. Comment ça va, Watch? Merci pour le raid. S'il y en a qui connaissent pas Watch, n'hésitez pas à aller le voir. Il s'est remis à streamer récemment. Fait qu'on l'encourage à ce qu'il stream encore plus. C'est pas vrai. Pas de pression, voyons. Ça a-tu bien été Resident Evil 4? Fait que finalement, tu avais l'air de l'aimer. Hein? Tantôt, je suis passée par chez vous et tu avais l'air de bien apprécier. Toi, Morador, comment ça va? Fait qu'on est sur du Zelda ce soir, puis on s'apprête à rentrer dans le tout dernier donjon. Je pense que je fais une sauvegarde avant. Tu dois l'aimer plus que l'original, là. T'avais réussi l'original, là, il y a pas si longtemps que ça, là. Là, ça avait détruit tes rêves d'enfance, t'avais dit, là. Allô, Colibri, comment ça va? Fait que ça serait ici. Bon. On est-tu prêt à affronter la mort? Ça s'appelle quand même la montagne de la mort, là. C'est pas pour niaiser, là, c'est vraiment la montagne de la mort. Fait que là, on save. J'ai absolument... J'ai toutes les upgrades possibles. J'ai toutes les cœurs possibles. Et moi, je pense que je vais en quand même dans chier, là. Oui, Code Veronica aurait effectivement mérité un remake ben avant le 4. Ah, mais c'est-tu au clavier souris que t'avais joué? Mais voyons donc, pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû sortir ta manette, hein? Tu l'aurais fait pendant ta période de non-stream à la manette, puis c'était bon, j'espère, parce que arc, clavier souris, à quoi t'as pensé? Morador, t'es méchant. Tu l'as déjà joué ce jeu-là, toi, Morador? Même la musique est différente. C'est la troisième musique du jeu, appréciée. Personnellement, t'adores le 5 Resident Evil 5. Pour vrai, il est excellent. En fait, j'ai jamais joué au 5, mais il est quand même très cool à regarder. Mais faudrait que faut que je les fasse. Faut tout que je les fasse. Allô, Christo? Faut-tu que j'aille un jambon pour vrai? Oh non, tu me niaises. Faut-tu que j'aille chercher un jambon? Oh, t'as peu. Ils m'ont pas dit d'aller acheter un jambon. Là, est-ce qu'on me troll? Ok, tu trolls, ok. J'étais comme, mon guide m'a pas dit qu'il fallait jouer un jambon. Le jambon, il sert à un seul donjon, en fait. Puis c'était, je pense, le donjon 7. J'étais comme prête à dire, oh non, faut que je retourne de bord. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas de jambon. Mais on s'en calisse, là. Je peux même pas le pitcher devant les monstres. Bon.
Est-ce que je le fais tout de suite avec un guide? Ou est-ce que je me fais chier à mourir 50 fois? On va l'essayer une fois sans guide. Puis si jamais ça chie, puis que j'ai plus de vie, on va le faire avec un guide. On essaye tout ça de même? On essaye ça de même. J'ai peur. Un peu, je vais prendre la baguette magique. J'ai moins peur. Ok. Pourquoi c'est noir? Ok. Voilà à gauche. Oh! Ça commence bien? Ok. C'est quoi qu'il y a dans l'autre pièce? J'aime pas les magiciens. Allô, Wexer, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans Zelda Land un mardi soir? Carlis. Comment ça va, Wexer? Ceux-là, là, c'est les sangsues comme ça qui me bouffent. Qui m'ont bouffé mon bouclier, puis que j'ai dû aller m'en racheter un. C'est une cochonnerie. On s'en fout des clés, j'ai une Magical Key ici. Merci pour le... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tape. On va faire la technique du corps de porte dans celle-là. C'est qui veut me stresser? Ah, ça va bien, hein? Technique du corps de porte. Toujours super efficace. Faut juste faire attention à pas trop rentrer dans la porte. Tassez-vous! Asti. Hey! Il a bugué! Tricheur! C'est ma porte. Décalissez. Oh fuck! C'est ça que ça fait. Mais je pense qu'ils vont pas tout réapparaître, please. Ok, ouf. Qu'est-ce que tu veux? C'est un spécial horreur, ouais, c'est ça. Avec du Zelda. Va-t'en, toi! Je suis pas la seule à utiliser cette technique-là. C'est la technique ultime de Zelda sur la NES. Et voilà! Ah, finalement, j'avais pas besoin de les tuer, y'a rien qui apparaît. Oh mon dieu, c'est le chaos ici. Ah, pis là, j'ai peur des sangsues. Ils peuvent me bouffer mon bouclier, là. Va-t'en, sangsue. Hey! Pourquoi des fois ils rentrent dans les cartes de porte comme ça? Je comprends pas trop. C'est comme ça que t'as battu un boss à Nioh. On dirait des... Des quoi? Des serviettes. Hein? C'est quoi ça? Thank you.
C'est dans South Park. Une serviette toxicomane. Ok, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de South Park. Puis les épisodes que j'ai pu écouter, c'était vraiment dans les premières saisons, là. Sans souci. Oh mon dieu, sans souci. Que c'est ça? Salut Kaguya, comment ça va? Ok. Ah! Oh. Les jambes pour vrai sont correctes, là. C'est les bleus qui me font chier. Que les bleus, ils se promènent partout. Pour l'instant, je sais vraiment pas où je m'en vais, là, mais on se promène. Parlant de ceux qui me font chier. Ça m'a refait rentrer dans la pièce, hein. Tabarnak, je pars de la vie, là. C'est terrible avec eux. Oh mon dieu. Je suis revenue dans l'autre pièce de tantôt, hein. Je suis tournée en rond. Ça veut dire qu'il y a des passages secrets de merde. Ah, mais ça va être tough de faire ça sans guide, pour vrai. Oh, puis en plus, il me tue dans le cadre de porte. Une carte de clos, je vais aller chercher ça. Voyons ce que ça dit pour moi. On va te lire ça, une carte. Full cam. T'en voilà? T'étais-tu parti fumer? Avec une carte pour Kaguya. Je t'ai pas... Je pense que t'as pas demandé souvent une carte, toi, hein? J'ai peut-être un souvenir d'une fois, mais pas plus. T'en as jamais pris une? Ouh, la première carte pour Kaguya, alors. Regarde les pierres. Les pierres, tu veux dire dans Zelda? Qu'est-ce qu'il y avait, les pierres? Il faisait-tu un signe de... je te fais chier, puis je suis un jeu de pisse? Ça, c'est juste la merde. Oh. Ok, je vais regarder. Oh! C'est la première carte que j'avais pigée, ça, pour quelqu'un qui était, je me rappelle, Angel. The Sweet! La belle carte du sucre! C'est une carte positive, ça. On va aller la lire. Je vais aller chercher ça. Ouais, je vais pas galérer trop longtemps, Varadar. Je risque de probablement sortir un walkthrough bientôt, pour vrai. Si en plus, c'est un espèce de donjon avec plein de passages secrets de marbre, là. Fait que de sweet. La carte du sucre est une touche de douceur et de délicatesse dans la vie du consultant. Le sucre représente le réconfort apaisant des choses simples de la vie, de la tendresse et de délicate attention d'un proche ou simplement le confort douillet d'une maison chaleureuse. Le sucre est porteur de bonnes nouvelles, de mots doux et de cadeaux à venir. Le sucre invite également à apprécier la beauté des gestes simples comme un bouquet de fleurs ou un plat de cookies et que la valeur monétaire ne vaut pas la valeur émotionnelle. Mal aspectée, la carte du sucre peut se transformer en ennui et en monotonie. L'autre mauvais aspect du sucre est le sourire des circonstances et le mensonge. Le sucre mal vécu est typique des petites filles de bonne famille souhaitant briser les carcans sociaux. Je trouve tellement que les dernières phrases sont un peu random, là. Mais bref, je sais pas si tu as une envie de sucrer, Kaguya, mais garde-toi. Ah. Toujours bon du sucre. Fait que c'était ça ta carte. Bon. On va aller regarder les pierres, comme Varadar m'a dit, là. On va retourner là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont, les roches? T'as pas trop compris la fin non plus. T'as une période ultra positive en ce moment. Ça concorde parfait. Bon, good. Tant mieux, ça. En ce moment, là, ça a vraiment fait un rond. On le voit sur ma map. Notice me senpai. Oh mon dieu, c'est chercher ça loin. Notice me senpai. Notice me, genre. Chantal, elle a essayé un accent bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les roches? Ah, je peux pas mettre ça sur pause, hein. Genre ça? C'est-tu censé vouloir dire de quoi?
Elle a presque... Don't diss me, senpai! Ça veut dire quoi, ce Varador? Pour vrai, tu peux me le dire. Ça me dérange pas, pas en tout. Faut-tu pisser des yeux, là? Je sais pas, là. Un passage? À gauche? Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un passage à cause des roches? J'aimerais bien juste comprendre. Tu ne le vois peut-être pas, mais qu'est-ce que je suis censée voir? Moi, je suis aveugle dans la vie, hein, vous savez. Ah, si. Ils m'ont donné ce que je voulais. T'as peu. Les petites coches sur les murs, il y en a dans toutes les pièces. Non. Moi, je dis que Varador, il dit de la merde, puis qu'il n'y a pas de passage. Check ça, il n'y a rien. Ah, si, il y en avait un. Bon, il y en a un. Ah, ben oui. Mais qu'est-ce qui faisait dire qu'il y en avait un? Genre, c'est. Je comprends pas. Genre, ça manque de confiance, ben là. Fait que là, ça m'amène à un passage secret. De recommencer le donjon. Non, mais on peut-tu m'expliquer en quoi j'avais un indice qu'il fallait que j'aille à droite? En quoi? Je me demande pourquoi j'aide pas. Là, ça m'amène ailleurs. Oh non, pas celui-là. Avalez-moi pas! James Bond 2, hack. Ça serait ça au triste. Non, c'est ça, je risque de pas le finir. Même avec une map, ce donjon, hey, je te crée. Genre, quand j'ai regardé un guide sur internet pour regarder vite de quoi avait l'air le donjon, il est immense, là. Genre 20 millions de pièces, là, pis il a l'air un peu compliqué, là. J'étais comme, oh mon dieu. Il me faisait peur, là. Là, théoriquement, j'ai la Magical Key. Fait que je peux aller là. Est-ce que ça vaut la peine? I don't know. It's a trap! Ok, qu'est-ce qu'il y a en bas? Le savoir d'instinct. Écrit ce que j'ai pas ces instincts-là, ça veut dire. Manque de confiance. Merci pour les clés, Raoul. Arc, non, non, Watch. J'ai dit aux gens, vous pouvez choisir le jeu que vous voulez, mais je ne garantis pas la joie de vivre pendant que je joue au jeu, ni le fait de le terminer. Attends, on va se mettre de la lumière. Comme ça. On te demande pas d'être heureuse. Ça vous fait dur. Ben oui, hein, donnez-moi un timer rendu à la fin ici. Oh, ça l'aurait allumé. J'ai pas pensé, Christou. C'est vrai, hein. On va essayer la prochaine fois. Merci, de m'aider. Ben oui, give me some money! Bon, fait que ça servait à rien d'aller là. Moi qui ai un passage secret à une place random. Je suis au dernier donjon, Kaguya. Ben oui, pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Saigne pour le plaisir du peuple, tabarnak!
Bon, on va aller se fâcher avec les sorciers, sorciers bleus. C'est pas un... C'était pas le premier boss, ça? Je crois. C'était-tu un boss, ça? Je suis comme ça. Là, c'est quoi pour que je passe au milieu de lui? Non, il fallait juste ces cochonneries, là. Je suis en train de crever, là. Vous me donnez pas genre des cœurs. Va à la pièce d'à côté. Et bombe tous les murs qui mènent vers une pièce non explorée. Je vais manquer de bombes si je fais ça. À côté, genre, ici, probablement. J'ai comme pas envie de prendre la potion tout de suite. À côté, ici? Genre à gauche ou à droite? J'espère que c'est pas un piège mortel. Ben, je vais mourir, là. Je survivrai pas ça. J'ai perdu ben trop de vie. Je vais prendre une potion, mais je trouve ça triste de prendre une potion en startant comme ça. Je suis pas sûre de comment affronter la bestiole de tantôt. Ah, c'est sûr qu'il va falloir que je recommence ce type de donjon. Les oreilles saignent, pourquoi? À cause de la musique poche? Mais ça sert à quoi, là, ici, genre? Mettons que je les tue, là. Une viole, ici. Ça servit à rien? Y'a-tu un passage? Ok, y'a un passage. Crevez ça notre camp. Ah, oh, le bruit de la potion, c'est pas si pire que ça. On dirait que mon jeu, il crash. Ah, ceux-là sont faciles à tuer. Moi, j'aurais aimé ça des ennemis comme ça tout le temps. Bon. Wow. Non. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Oh! Je peux pas mettre de lumière ici? Ok, c'est juste une pièce étrange. Ok. Pourquoi ma baguette veut rien faire? Qu'il y a des lags, c'est terrible. Il meurt pas? Y a rien qui a l'air de fonctionner. Même mon épée a pas l'air de fonctionner. Pas peu. Veux-tu un coup de flûte dans les oreilles?
Oh! Ça a marché. J'aurais dû m'y prendre plus intelligemment tantôt, mais j'étais sûre qu'il fallait que je pogne le centre. Ça n'a pas rapport. Il reste juste la grosse mouche, là. Je sais pas où est-ce que je m'en vais, fait qu'on passe par les passages secrets, là. Je dois dire, j'ai aucune idée si c'est une bonne idée ou non. Oh. La clé, ça me sert à rien. J'ai une clé magique qui me permet d'ouvrir toutes les portes barrées. Ah non, si, j'ai la flûte. J'ai ben gros de la misère avec eux. Ça m'a donné rien de venir ici. Y a-tu de quoi te cacher avec une bombe? Ou c'est juste un troll? M'étonnerais pas qu'il y ait des trolls partout dans ce donjon-là en plus. Y'a de quoi ici? Oh mon dieu. Non. Ah, oh, tu l'as acheté physique? Ouh. C'est l'heure du guide. Voilà, fuck that. Je suis un guide, esti. Check la map, Astor. Je check mon guide. Calé, c'est tabarnak. Oh, ça me tente même pas. Je reviens au début du donjon avec seulement 3 cœurs. Puis là, j'ai déjà passé une potion, fait que fuck you, esti jeu. Bon, on va suivre ça. Jump to section 10.2 if you have the magical key. Ok, on va suivre ça. Ok. Est-ce une crise de calice? Bon. J'aime pas ces jeux pour me faire chier. Ok, ça dit head up one screen. Ok. Ça, au début, il y a rien de grave. Dans le fond, ici, je comprends pourquoi il y avait rien. C'est que si t'arrives ici, parce que tu peux trouver ce donjon-là au début du jeu, si t'arrives ici puis que t'as pas le Triforce complet, t'as un vieil homme qui te bloque le passage. Fait que, dans le fond, c'est pour ça que j'étais comme, pourquoi il y a ça, genre? Bon. Ok. Là, ça dit d'aller à gauche. Use a bomb to blast open the wall above and head through. Ok, en haut. J'ai pas besoin de tuer les ennemis ici. Fait que tout ce que je peux, genre, me dépêcher de crisser mon camp, on va le faire. Hey, encore ici, qui sont gossants. Et je sais pas si c'est un walkthrough complet. Je dois dire, je sais pas s'il y a un million de... d'items dans ce donjon-là, là, mais dans les autres donjons, s'il y avait des items à récupérer, il allait me les chercher. Là. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres items. Y a-tu d'autres items encore? Je vais faire des sauvegardes en avance. Hein. Il y a 2 items, ok, il devrait me les donner.
j'aurais pu. Ça a l'air qu'ici, il y a des passages secrets en haut, à gauche puis à droite, mais c'est pas du tout nécessaire. Ok. Fait que là, je peux passer ici. Tu regardes le spectacle. Ah! Oh. Bon, ici, ça, il y a des sensus. Ça, c'est rien de très grave à tuer. Ça se fait très bien. Surtout en plus qu'ils peuvent pas arriver dans tous les sens. Oh, Chris, j'ai eu peur qu'ils m'avalent. J'ai pas envie de perdre mon shield. Malgré que là, je pense que je vais faire des sauvegardes de temps en temps. Fait que si je vois que j'ai trop perdu d'énergie ou que ça a été vraiment mal, je leur ferai. Là. Je devrais y arriver en trichant au bout, là. Est-ce jeu, là? C'est terrible. Bon. Ça, c'est beau. Là, ça me dit d'aller à droite. Ok, à droite, après, il va y avoir des magiciens qu'on peut juste ignorer. Puis on utilise une bombe pour aller encore à droite. Ok. Ça a l'air que ça me donnerait le compas si je les tuerais. Mais vu que je suis un guide, on s'en calisse un peu du compas. Ok, il n'y a pas de bombe ici. Je pensais qu'il fallait juste une bombe. Ok, non! Ça a l'air qu'il y a un passage secret en bas. Ok, je comprends. Fait que je continue à droite. Ok, parfait. Mêlée, là. Je suis pas sûre. Je vais essayer. Hein? Fuck. Hey, je suis tout mêlée. Hein? Mais voyons, là, j'ai suivi les indications. Chris, même avec le guide, c'est compliqué. On dirait qu'il y a une pièce qui marche pas. Ganon, il m'aime pas trop. Je l'aime pas non plus. C'est cave parce que là, où est-ce qu'il y avait les trois magiciens, ça dit « Otherwise, just progress to the right a screen. » J'ai été à droite, mais là, c'est comme pas la même pièce. Ouais, je sais que j'ai pas une cinématique, Varador, là, ça risque d'être « Voici la princesse Zelda, on est happy, voici un petit générique et merci, bonsoir. » Je m'attends à rien de bien capoter, là. Là, je suis perdue. J'ai pas compris où ce qu'ils veulent que j'aille. Je vois même pas cette bébite-là dans les trucs. C'est quoi, hein? Je dirais vraiment qu'il manque une partie au guide, c'est très étrange. On a juste des bombes. Oui, on voit Zelda à la fin. Je sais qu'on voit Zelda. On pouvait le tuer, le Verdugo. Quel Verdugo, ça? Tu penses-tu dans Resident Evil 4? Ah, ok. Je continue ici, je pense. Chris, que c'était pas clair. Tabarnak, que c'était pas clair. Oh, tabarnak. Ok, je fais quoi ici? Ok, faut tout que je les tue ici. Ah, mais ça, c'est pour le compas. Ah, ok, ok, je comprends. Dans le fond, si tu vas aller chercher le compas, vas-y. Ok. Et le guide est pas clair, là. Fait qu'il faut que je retourne en arrière. Moi, je me ferais pas chier à tuer des cochonneries pour un assis de combat. Ok, bon, j'ai fini par comprendre au moins. Là. Faut que j'aille tuer la bébête à mouche. Là.
c'est quoi un Verdugo? Pourquoi je sors ça? C'est pas comme ça me servait à quoi. Ok, attends un peu. Là, ça va pas bien, là. Je vais essayer de me trouver une stratégie pour pas perdre la vie ici. J'ai déjà vu le cap, mais je l'ai jamais joué. Si je reste encore de porte, tu devrais pas me pogner. S'il est trop proche, par exemple, c'est dangereux. Ah, ça me pogne pareil, esti! C'est donc un de la chenoute! Ça, ça fait rien! Genre, il traverse l'autre bord, c'est bizarre un peu! Hein? Toujours? Voyons. C'est pas facile. Il me donne pas un crise de cœur, le tabarnak. Ok. J'avais pas besoin de le tuer. J'aurais dû finir de lire le truc, ça sert à rien de le tuer. C'est le bras droit du petit nain. Ah, ok. C'est-tu le gros beef? Avec... Non, c'est pas lui avec la barbe. Bon, on va reloader. Ça a l'air que ça servait à rien de le tuer, esti. Ah, ça c'est drôle. Allô, wesh, comment ça va? Je suis découragée par moi-même qui lit même pas le guide, esti, que je suis en train de checker. Quick load. Fait que ça sert à rien de le tuer, on fait juste passer en bas. Hey, c'était cave de ma part en tabarnak, ça. Pour vrai, là. J'aurais voulu être aussi dur, puis j'aurais pas été capable. Ok. Ok. Bon. Bon, ok. Ça, je peux toutes les tuer, ça va me donner de l'argent. On s'en fout un peu, mais je peux bien les tuer, là. Les monstres avec les robes à côté du nain. Ok, ok. Vite, vite comme ça, ça fait longtemps que j'ai vu le cap quand même. Je me souviens pas de tout, là. Bon. Ok. Puis là, ça dit bombe des walls à droite. Ok, mais ça, c'est pour avoir la map du donjon, fait que je m'en fous. Mais il faut quand même que je rentre là, parce qu'il faut que je bombarde le mur en haut. Crime, on a besoin de beaucoup de bombes, pareil. Merci pour le Lurk Watch. Fait que là, on va en haut. Je réussisse à passer par. Crée ça notre camp! Ok. Puis là, ici. Ok, on crée notre camp en haut avec une bombe. Mais c'est juste des bombes qu'il faut utiliser. À moins que ce soit des raccourcis, là. Non! Oh non, il a bouffé mon bouclier! Oh, tabarnak! J'avais pas fait de sauvegarde avant celle-là. Allez, sans bouclier, j'irais pas chier loin, là.
méchant petit slime. Fait que là, on va essayer de pas se faire bouffer par les slimes. Pas les slimes, les sangsues. Crime, c'est horrible comme pièce. Bon. Là, il y a encore un paquet de cochonneries. Ici, il faut que je les tue. OK. Bon, là, je suis mieux de sauvegarder ici. Quick save. OK. Bon. Good. Ça disait même, il nous disait de même prendre une potion au besoin dans cette pièce-là. Fait que je les trosse. Ah, ça a l'air que ça donne accès à une Red Ring. Oh! C'est cool ça. La Red Ring, elle permet qu'on ait moins de dommages en prenant des hits. Ça va être un item vraiment cool ça. Ça va prendre la moitié du dommage au Chris. Oui, je la veux. C'est genre fucking utile là. Je prends genre moitié moins de dommages. Nice. Let's go. Ça vaut le détour ça. Parfait. Fait que là, j'ai une tunique rouge, genre. Bon, fait que là, on backtrack. Left a screen. OK. Continue. Attends un peu. Head back down to screen. OK. Deux fois en bas, une fois à gauche, puis une fois en haut. Deux fois en bas. Tabarnak! Oh, il a pris mon shield, le petit Chris. Oh. Je les haïs, les sangsues. Là, il va falloir que je me retape les sorciers. Hein. Ouais. Bon, on va recommencer ça. Mais pour vrai, même avec un guide, je serais pas capable de finir James Bond ici. Ça marchait pas. Genre, j'ai jamais compris ce jeu-là. J'essayais de faire le petit tableau pour genre crever au bout d'un timer invisible. Ça avait juste aucun rapport, là. Quick load. Les sorciers sont... OK, la baguette sert à rien pour vrai. Bon, je vais arrêter de faire ça. C'est allé vite en crise. Mais ils sont tough, les sorciers. Ils sont tough, les sorciers. Puis genre, j'ai des bouboules qui font que je peux pas utiliser mon épée. Parce que c'est ça. C'est de la merde. Putain, là, ça a mieux été. Là, je vais faire une sauvegarde après la Red Ring, esti. Mais j'avais pas des lunettes spéciales, moi. Genre, c'est quoi l'histoire de vouloir mettre des ennemis invisibles? Bon. Sauvegarde. OK. Fait que là, j'avais dit deux fois en bas, une fois à gauche, puis une fois en haut. Pour augmenter la difficulté du jeu, Chris, le jeu était déjà assez difficile comme ça. Hein? À quel point il fallait l'augmenter? Pensez-vous, les sangsues de merde? Oh fuck, c'est pas les bombes que je voulais. À gauche. On retourne en haut. Rixi, c'est pas très grave. Puis là,
faut aller la porte barrée en haut. Ok, ça c'est là où j'étais tantôt. Fait que, utiliser une bombe à gauche. Après, il y a des sorciers à tuer. La baguette marche seulement si tu touches de l'ennemi avec le bout de la baguette, mais pas à distance. Fait que rendu là, c'est un peu comme l'épée. Hein? Ça sert pas à grand chose. Ah, Ghost and Ghost, c'est tough. J'avais. C'est le deuxième, c'est lequel? Ghost and Goblins ou Ghost and Ghost? Je pense que c'est Ghost and Goblins le deuxième. On l'avait chez nous. On s'est jamais rendu bien loin dans ce jeu-là. Hein? Les deux boutons épée et baguette pour faire plus de dommages. Ah, ouais. Tu peux les faire en même temps, je savais pas. I didn't know. Fait que là, ici, il faut tuer les sorciers. Même si ça sert à rien. À moins d'essayer de. Mais là, je vais prendre moins de dégâts aussi. Ça va être mieux, là. C'est quand même vraiment mieux là, que je prenne moins de dégâts. Là. Pour vrai, ça paraît. Bon, puis là, ça ici, je l'avais trouvé tantôt. On passe par le truc secret. Ok, good. Mais ben oui, tu peux faire les deux en même temps. Oh, ouais. Je suis en train de tester. Ben, coudonc. C'est spécial. Le hitless à Zelda 1, Chris, t'es-tu malade? Ça me prendrait plus qu'une vie à accomplir ça. Là, celui-là, j'étais pas obligée de le tuer, mais c'est le fun de tuer des ennemis faciles. Oh! Petit Ghost and Goblin. Hey, pauvre Wexar, il l'avait abandonné, mais je peux comprendre. Là, c'est tough en esti. T'as appris plein de trucs en faisant des randomizers. Tu le trouvais dur avant et maintenant c'est plus facile. Ouais, ben c'est avec des petits trucs qu'on peut se faciliter la vie, là. L'hiver a commencé. Ah. Ouais, la neige a starté malheureusement. Donc là, ça dit d'aller à gauche. S'il y a des chauves-souris, on peut les ignorer, c'est pas nécessaire. Ok, puis là après, j'ai l'espèce de boss avec les mouches qu'il faut que je tue. Celui-là, il faut que je le tue. Ok, on va s'y rendre. Je vais faire une sauvegarde ici, fait que si ça va mal, on va recommencer. Save. C'est pratiquement plus un challenge. D'habitude, quand t'es rendu à part un randomizer, c'est que t'as assez joué au jeu normal. Là. Sinon, ça va être un peu tough. Là. Tu peux pas... Hey, quelqu'un qui start un jeu sans avoir joué jamais en randomizer, il va mourir sa vie. Là. Même un jeu quand même plus simple. Là. Ghost and Ghost sur Atari, à l'époque, c'était chaud. Hey, c'est du jeu de merde. T'as fait du Dorando sur les RE, moi, et quand je fais des runs standards, je trouve ça plate. Malgré que t'en as joué du Resident Evil, me semble, l'autre jour, pis c'était des runs assez standards. Moi, je me trompe. Ou je me... Non, mais t'as fait ça avec du Silent Hill, mais me semble que tu l'avais fait aussi avec du RE. Lui, il est plus facile à tuer. Versus l'autre qui s'agrandissait, là. Je prends moins de dégâts avec ça. Tu veux même pas genre un point de dégâts là, c'est hot. La clé me sert à rien. Ok. On va se rendre puis je vais prendre une sauvegarde avant. Quick save. À Venus Flytrap sur Atari, ça je connais pas du tout.
c'est quoi un truc à mouche? C'est qu'est-ce que c'est ça? Fly trap, genre un attrape-mouche? Ici, faut que je les tue toutes. Right. Oh mon dieu, il y avait vraiment beaucoup de passages secrets. Mais ils ont réutilisé un peu les mêmes sortes de passages secrets qu'on a déjà rencontrés, là, mais faut quand même que tu penses à l'essayer. Là. Un jeu avec une mouche géante, genre what the fuck? Un Red Hot Caesar, c'est quoi ça? Ok, fait qu'on va chercher le Silver Arrow, ça a l'air. C'est mieux que la version de l'arc. C'est le seul item qui est capable de tuer Ganon. Fait que c'est une bonne idée qu'on aille le chercher, hein? Parce que sinon, on peut pas finir le jeu. Les flèches d'argent! Au lieu, genre, des flèches de lumière. On est bientôt à Ganon Kaguya. La souffrance va bientôt finir. Je sais pas en fait combien de pièces qui restent, honnêtement. C'est peut-être encore super long. Ok. Ok, là, faut que je retourne de bord. Oui, je sais. Ok. Faut que je tue les... Ok. Faire une sauvegarde ici. Hey, je sais qu'il y a une seconde quest, il y a quelqu'un qui m'en a parlé hier, j'ai fait « Ah, oh, je pense que je vais me contenter du jeu principal. » T'as envie de voir la fin. Non, c'est ça, je me suis fait dire dans le fond que tu peux refaire le jeu une deuxième fois puis que les donjons sont situés à d'autres places. Là, j'étais comme « Oh my god, non, non. » Ça va aller. Là, on repasse par ici. Ok, resurface and then head down a screen. Ok, ça je l'ai fait. Back to the from Patra. From the head up. Head up a screen. Ok. Puis là, après, il y a des sangsues. Toi, tu vas le faire. En tout cas, le jour où je vais le faire. Puis moi, je vais venir me foutre de ta gueule si tu fais ça en stream. Ah! Ah si! Oh mon dieu! J'ai pas assez de courage pour ça. Pour le fun, ouais, c'est ça. Là, si je peux continuer tout droit... deux fois. On est left. Ok, je peux peut-être essayer de les tuer en faisant attention, là. C'est parce qu'ils peuvent me bouffer mon bouclier, eux. Genre comme ça! Ok, il m'a pas bouffé mon bouclier, parfait. Je sais pas s'ils peuvent redonner de la vie, ça serait nice. Chris! Moi, ça, il a conçu pendant que je le frappais, genre. Ok, lui, il faut que je continue d'avancer pour pas me faire pogner dans la cochonnerie. Oh, fuck. Ce genre de pièce-là.
m'ont pas donné de vie pas en tout. Ça, il y a des sorciers, on les tuera pas. Faut que je mette une bombe à gauche. Ok. On va préparer les bombes. Voyons. Peut-être dans 17 ans, quand tu vas te sentir très vieux et que tu vas vouloir te replonger dans la nostalgie. On va bien se soirer longtemps. Oh. J'ai pas peur de faire tes jeux au plus hard. Tu sais, genre, étant dans des premiers avec MK Arcade, t'as déjà connu la vie dure avant, genre, c'est ça. C'est des GG. Ah, c'est des puddings. Ah, non, c'est ça. J'étais comme de pas que les GG. Oh. T'étais vendu Sega, puis parce que tu t'aimes plus trop les jeux Sega aujourd'hui. Ici, faut que je les tue, les cochonneries. Ça a l'air qu'il faut que je pousse ça. Ah, mais wow, il y a un truc. C'est drôle. Tu t'attends pas à ça d'une pièce comme ça, genre. Hey, le donjon qui avait genre plein de passages secrets, je trouvais qu'il était merdique, mais lui, il est plus que merdique, là, quand tu le connais pas. Tu trouvais que ce gars sortait niveau... c'est juste que tu trouvais ce que ces gars sortaient niveau console et jeu étant une grosse coche de plus que Nintendo. Ok, ok, c'est pour ça. Mais moi, pour vrai, il y a des... autant j'ai beaucoup aimé des jeux Sega que j'ai aimé des jeux Nintendo. Là, je pense qu'ils ont chacun leur bon côté. Là. La console à deux cartouches. bon, ok. Fait que ça, c'est fait. Ok. Je vais me prendre d'avance pour pas avoir trop de surprises où c'est que je m'en vais, là. Fait que si je peux directement aller à gauche, puis après, faut que je tue les ennemis. Ah bon, ok, il me bug pas. Oh fuck! Je m'attendais pas à ça, hein? Wow, 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 wow! Calice! C'est la guerre. Bon, ici, je les tue. Pas des ennemis compliqués, ça. Donc là, on va ici. Ah, ils sont tannants, ces bouboules-là. Est-ce qu'ils m'énervent? Bon, là, je vais encore avoir un boss de mouche. Ok. Sega Osez Plus. Ben moi, il y a beaucoup de jeux Sega que j'aime pour vrai. J'aime bien les Sonic. J'avais joué à l'époque à... Voyons, il y a aussi les Yakuza, je pense, qui viennent de Sega, justement. Tu réparais déjà tes trucs électroniques à 5-6 ans. T'as réparé ton premier VHS et TV qui t'aimait ça, t'as pas né là-dedans, genre. Bon, sauvegarde. Bon, fait que là, on a un mini-boss à tuer. Oh wow! Après, c'est Ganon, ça a l'air. On est vraiment proche de Ganon. Ça va être Ganon. Ok, bon. Ganon, lui, je vais l'essayer sans, sans savoir comment faire. Là. Je sais qu'il faut que j'utilise la flèche, clairement. Là. Puis, alors qu'il faut que j'aille. Ok, on va faire une sauvegarde ici. Puis, on va s'essayer. On va essayer de trouver comment il fonctionne. Bon. On va voir de quoi il a l'air, Ganon. Je sais pas s'il faut d'autres items. Là. On va voir. T'as mis deux clés dans une prise électrique. Deux clés? Tu sais-tu électrocuter?
Disons qu'il s'est sorti assez vite de là. Mais pourquoi des clés? Il est facile. Oui, c'est la fin, Kaguya. C'est le boss final, ça a l'air. Let's go. Ah, c'est un cochon. C'est A Link to the Past aussi, c'est un cochon. Ah, ok, je peux aller dans le noir. Là, c'est-tu parce qu'il est invisible? Ah, il est invisible! Là, faut-tu que je fasse ça à l'infini ou... J'ai pas l'air de pouvoir le pogner avec mes flèches. Oh! Il est devenu brun. Est-ce que c'est tout? C'est vrai qu'il était facile. Une fois que t'as compris qu'il était invisible, il est fucking facile! C'est tout! Je m'attendais à un gros challenge, là. Oh mon dieu! Voyons! Ben, en même temps, le donjon est tellement horrible que c'est quasiment genre un soulagement pour la personne qui arrive à trouver Ganon par lui-même, genre. Mais... Mais... C'est sûr qu'il te faut la flèche. Fait que si t'as pas trouvé la flèche, t'essayes de le tuer pis ça marche pas, genre. Les ennemis invisibles sont souvent très faciles. Ah, mais va taper, là. Ok, faut que je pète le feu. J'étais comme, pourquoi je me brûle? Tu vois, le gars, il crève sur les flammes rendu devant Zelda, genre. Merci, Link. Tu es le héros d'Hyrule. Ah oui, hein? Oh, c'est drôle! Enfin! La paix revient à Hyrule. Fin d'histoire, point! Et c'était Zelda! Carlis! Oh my god! Ah, pas de suite! Peut-être un jour Zelda 2, mais pas de suite, please! Merci pour le GG, même si je le mérite pas. Une autre quête commence ici, appuyer sur Start. Ouais, c'est pour faire le... La seconde quest. Mais non, je le mérite tellement pas. J'ai suivi un guide à partir de la fin du troisième donjon, là. Malgré que... Il y a une grosse partie des donjons, j'ai fait ça en guide, là. Les deux derniers donjons, j'ai suivi des guides, là. Ça avait pas de sens. Elle pouvait le tuer toute seule rendue là. C'est vrai qu'il me restait pas beaucoup de cœur, hein. Fait que, ouais... Là, je peux... ouais, le UV, ça n'a pas rapport, là. C'était un test de ma part, là. Ça, c'est ma... OK, genre, si je recommence, là. En tout cas, bref. Non, j'ai fini. J'ai fini. Ça y est, c'est fini, oui. Fini, 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 fini. Merci, bonsoir. Ce jeu est terminé. No GG for you, exact. Ben, pas depuis le début. Dans le fond, rendu... Rendu à la fin du donjon 3, j'ai fait « Non, j'arriverai jamais à réussir le boss. J'ai pas assez de cœur. » Fait que j'ai été voir où ce qu'étaient les cœurs. Puis après, j'ai fait les autres donjons, je les ai tous faits sans guide. Sauf le donjon numéro 7, je pense. C'est-tu le 7? Il y en a un là qui était compliqué. Puis fallait genre... Il y avait des passages secrets partout que je comprenais pas. Fait que j'ai sorti un guide à un moment donné. Le donjon 8 puis le donjon 9. Enfin, d'autres jeux. Hey, j'ai passé genre 2 streams et demi dessus, là. Parce qu'on s'entend que j'ai même pas fait un stream complet aujourd'hui, là. Malgré que là, je sais pas. J'embarque sur d'autres choses? Je suis comme pas sûre. Avec sa belle cartouche dorée. À moins qu'on réessaie-tu à Plague Tale, là, à soir? Je sais pas si Raoul est toujours là. On va voir en même temps s'il me recrash tout de suite. Je pourrais faire ça. Oh! Si c'est le cas, j'ai besoin de cette manette-là, par exemple. Présent, tu veux-tu qu'on starte à Plague Tale? On va pouvoir tester tout de suite si mon PC crache pas ou que le jeu crache pas. On va faire ça, je pense. Song of Horror, le jeu d'horreur, ça? Je n'ai pas, ce jeu-là. Je sais quoi, par exemple? No Guide. Ça a l'air qui est quand même pas évident, Song of Horror, surtout si tu joues avec le fait que si tu meurs, tu meurs, là. Bon. Je suis contente. Zelda est terminée. OK. Ça, je peux fermer ça. On va ouvrir Steam.
Je vais aller changer mon jeu. Mais j'ai trouvé ça le fun à faire, Zelda, en termes de découverte, genre pour dire, ah, j'ai jamais joué au jeu, puis j'ai un peu vu l'origine de certains monstres utilisés dans les Zelda. Mais c'est ça, j'aurais pas voulu faire ce jeu-là sans aucun guide, à part si j'aurais vraiment compté passer 500 heures là-dessus, puis c'était vraiment pas mon but, là. Modifier les infos du stream. C'est quoi? C'est Play... Attends, comment ça s'appelle le jeu exactement? Plague Tale Requiem. À Plague Tale. Et voilà. Crache pas un petit PC! Le mettre à easy? Zelda, on peut pas le mettre à easy. Ah non, ok, tu parles de Song of Horror. Ouais, oui, Song of Horror, on peut le mettre à easy, je pense, pour justement pas crever tout le temps. Il y a Mouche dans le dash. C'est pas toi, Mouche, qui l'avait fait à easy parce que ça te tentait pas justement de tout recommencer si tu crevais dans ce jeu-là? Si je me souviens bien, il me semble que j'avais vu quelqu'un sur Twitch qui l'avait joué, qui avait fait...